Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je pars à Lille et je vous amène avec moi. Je dois monter là-haut pour le lancement 2018 de la marque Fuganza. Ça devrait être, je pense, vraiment très intéressant. Et je tenais à vous amener avec moi, à vous faire découvrir un petit peu ce lancement Fuganza. Donc là il est 13h et je vais partir à l'aéroport pour prendre mon avion. D'arriver et du coup on fait le tour du premier Décathlon, donc on fait le tour un petit peu du rayon. En suivant on va aller manger avec les filles, voilà un petit bout, parce que du coup la journée avec Fuganza c'est demain. Donc je suis rentrée à l'hôtel. Donc on a fait rapidement le tour d'un Décathlon qui est à proximité des hôtels où on dormait avec les filles, pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui se faisait dans les autres Décathlons. C'est un Décathlon concept, donc on pouvait s'inspirer et prendre des idées assez sympas dedans. Pour moi la journée est terminée et je vous dis à demain pour le lancement Fuganza. Ça y est, on attaque le deuxième jour, donc aujourd'hui c'est le lancement Fuganza. Je viens de finir de me préparer et je vais me diriger gentiment vers le plus grand Décathlon de France, donc on va aller voir ce que ça donne, ça devrait être assez impressionnant. Je suis excitée de passer cette journée et de découvrir tout ce qu'ils ont à nous montrer. On se retrouve, on est en fin de journée et du coup là c'est la soirée, donc si vous entendez un peu de musique c'est parce que c'est la fin de la journée et qu'on est tous en train de fêter ça ensemble. Donc comme prévu on a découvert plein de nouveaux produits, notamment ceux qui allaient sortir fin 2018, courant 2019, notamment des casques, des bottes. On a également de nouveaux bridons de meilleure qualité avec un meilleur cuir, une meilleure découpe pour les chevaux, donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Franchement c'était vraiment une journée top comme c'était prévu. On a pu découvrir plein de trucs, vraiment j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi découvrir cette vidéo avec moi et ce petit tour à Lille dans le froid. Non, c'était plutôt pas mal. Du coup, nous on rentre demain, on va passer quand même la journée à Lille demain puisque notre vol est à 17h. Concernant mon séjour, mais du coup là Fuganza c'est terminé, hein. Aujourd'hui on a tout vu, on a fini par la soirée comme vous l'avez vu. Mais demain par contre, avec une fille d'un autre Décathlon bordelais,
on va aller voir le site de Between Village. Apparemment, il y a des choses à aller voir là-bas. Donc on va aller s'inspirer. On a également donc vu forcément Campus, puisque là on était sur le plus gros décathlon de France. Il y avait donc le lancement Fuganza. On a pu voir un beau rayon équitation. On a eu droit à la fin à un petit cadeau sympa de la part de Fuganza. Je vais vous montrer tout de suite. Un petit sac tout mignon avec plein de choses écrites avec les valeurs de Fuganza, les valeurs de la marque. Petit sac qui est toujours pratique. Et ensuite, on a eu ce petit polo, donc de la nouvelle collection, en gris, anthracite et camel. J'espère vraiment que cette petite journée vous aura plu. Je vais vous amener avec moi, je pense, demain également. Du coup, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain. On est donc le lendemain matin, je vais aller prendre mon petit déj. On avait prévu d'aller au Between Village, donc on va voir ce qui se présente. En tout cas, au niveau du temps, bah, il pleut. Bon, il pleut toujours. on est allé à Campus du coup et on a changé. Maintenant on est à Between Village, donc c'est un super grand décathlon avec que du vélo. On vient d'arriver à Bordeaux et là j'ai plus qu'à attendre ma maman, donc qui vient me chercher en voiture pour repartir chez moi. Et voilà, le week-end va s'achever, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut.